vie spirituelle. La vie spirituelle, il y a un rapport avec ça, nous relève le salut. Le salut, c'est l'assurance que nous avons. L'assurance que nous avons en Christ. Le fait que si on est meurt soudainement, on ira au ciel. Et si Jésus-Christ a retourné Kounia, pendant ma parler là, nous toutes aurions nous doué prêts pour tenter son prophète là. C'est ça que la vie spirituelle là. Voilà pourquoi on a la vie spirituelle. Nous avons une vie spirituelle. C'est pas pour nous bambiler. Nous avons une vie spirituelle. C'est pas pour nous mettre vest sous de nous. Nous avons une vie spirituelle. C'est pas pour nous capables de faire des choses là. Mais nous avons une vie spirituelle. Certainement pour nous capables de chanter pour nous dire après la mort, tout n'est pas fini. Certainement pour nous chanter pour nous dire non, Jésus. Pas que la mort, c'est fermer les yeux ici et l'ouvrir l'autre bord. Nous avons la vie spirituelle, certainement, le monde garde nous pour dire Alléluia. Dieu grand, Dieu fidèle, Dieu majesté. Et pas si la somme découle autrefois, et pas vu dans l'autre monde. Amen. C'est une raison ça qui fait nous une vie spirituelle. La vie spirituelle n'est pas une marchandise. Mais la vie spirituelle, c'est les fruits de la grâce. Et là, nous étudions le concept de la grâce. Son bagage, on vous le fait pour vous sans que vous ne méritez. Vous voyez, on va vous recevoir, ou pas faire rien pour lui. On va gagner rien dans vous qui est bon pour recevoir. Mais vous allez regarder.